Pour illustrer les légendes, j'ai choisi de dessiner sur support numérique en m'inspirant des dessins qui sont faits à l'encre de Chine avec les petits points. C'est vrai qu'on me connaît plus dans ma peinture où je m'exprime à l'acrylique, au couteau, sur de la toile. Et le choix de ce mode de dessin aux petits points à l'encre de Chine pour les illustrations des légendes, je trouve que ce style de dessin apporte un côté plus ancien. Ça évoque dans la culture générale des vieilles gravures. Et cette technique de point, en fait, c'est une technique en monochromie, de noir, où on va faire des lignes ou des points. Et les points vont être plus ou moins rapprochés pour donner plus d'ombre et des points plus écartés pour mettre des choses, des zones plus claires. Et puis, pas seulement des points, ça peut être des petites lignes, mais tu peux donner plus de texture à ton dessin avec cette technique-là. Le tableau que vous pouvez voir en couverture de l'ouvrage, en fait, est un tableau que j'avais peint l'année dernière pour illustrer la naissance de Bora Bora, qui s'appelait au début Vavao. Et on peut voir plusieurs éléments, notamment les pétroglyphes du Ofai Honu. Donc ce sont vraiment ceux qui sont présents et qui sont issus de notre héritage, notre patrimoine culturel. Et la naissance de l'île à partir de la tortue. Je trouve qu'elle se prête vraiment bien à ce recueil de contes et légendes. Le choix de la séquence à illustrer, c'est toujours un choix un petit peu délicat où on se dit est-ce que je choisis la bonne scène. Certains éléments aussi parce que je veux essayer non pas de me contenter de raconter une histoire mais d'avoir aussi des petites vérités historiques et surtout pas me tromper sur certains éléments qui pourraient fausser la mémoire que les enfants auraient sur notre culture. Te peini inita u ere ere, te peini tara u ute ute, e te hopea te papie u u. Na unohoa e hapi i te itorua, na roto e te mau maemira, e te whaohipara e te mau puta papai hohoa. No reira mai te tupura mai te ana ana taira no te papai hohoa. Te vaiato ara te mau aito papai hohoa, ta u e matau mai te no porinetia nei, e no te ara atoa. Te mau eito papa iho o tau i matou me te oia hoi to tatou hoa o leo taerea, to eto aro Eriki Marshall. No te whahohoa rā me te imo a ai, mea papuia te reira e tupuhoa te mana i nia i te arutai mare. Te vere tata, te wahine, te animara, whahoipa atoa i te mo a ai no te ara mai, mea whahia hioro te iputa. E rawea te ie no te whaite atu i te mo tata, i te ui api, pour les illustrations, là, je me suis concentré sur les textes en fait. J'ai essayé de me raccrocher à ce que je connaissais des thèmes abordés dans chaque légende, à la vision que j'avais de chaque chose, en me documentant un petit peu pour certaines. Mais la plupart du temps, j'ai essayé de synthétiser un peu la légende sur les éléments principaux. Les illustrations de légende de Bobby sont assez inspirantes dans le sens où il déconstruit et les légendes, il les montre à sa manière. Et c'est dans ce processus-là que je me suis inspiré de ce qu'il a fait. En fait, dernièrement, je travaille beaucoup sur le iPad. C'est une palette graphique. Du coup, pour la colorisation et tout, c'était plus simple. Et je trouve que c'était la méthode la plus adaptée.
il faut coucher les choses par écrit. La culture polynésienne, c'était une tradition orale. Et avec le temps, les choses vont se perdre de plus en plus. Et le fait de les mettre par écrit, ça conserve les choses. Ben, je voudrais déjà remercier la direction de la culture de m'avoir fait confiance et de faire confiance à des artistes contemporains pour s'approprier aussi la culture et donner notre vision des choses. Au-delà de ça, le témoignage culturel qui va rester de tout ça, et je trouve ça vraiment très intéressant. Taupor eno te mofea e hinarone e haa i ruto i te ie toroa. Mea hau a e hare atu i te pū hapira no te ie toroa. Mea ohiero atu. Eh bien, je voudrais inviter tout le monde à s'intéresser, à vraiment se réapproprier notre culture qu'on a peut-être trop longtemps oubliée. Je suis fier d'avoir contribué à ce projet. Je suis content d'avoir participé à ça parce que je sais que ça permet à nos enfants de lire nos histoires. Mmh.